mec, il croit qu'il va se marier avec Gina. Très bonne blague, cela dit. Mais t'as vu ta gueule? Tu me lui rendras des fois, Slim? Slayman. Inspecteur Slayman. On se marre moins là, hein? T'es face à tout de suite, ok mon gars? Alors les mini-zizi, on tire des plans sur la comète? Génial! Le salon, la lingerie? Merci Choulem pour l'invite. Non, je serai vous, je ferai pas ça, Patrick. Oui, mais moi je serai toi, j'ai changé ma vilaine peau contre un nouveau dentifrice, ok? Qu'est-ce qu'il a? Me faire caca ou quoi? Vous me rendez ça tout de suite, ok? Rendez-moi ça ou je m'énerve! Ah ah, ça va te faire? Oui? Oui, j'arrive. I just met you, and this is crazy. So give my number to come and meet me. Attends, s'il te plaît, je suis au téléphone. Qu'est-ce que tu fais là, Slim? Il est où Adam? Mais il est chez sa meuf, et moi, du coup, je passais par là, et voilà quoi. Ouais. Bon, en tout cas, vous baissez d'un ton tous les deux, ok? Oui. Non, d'accord. Hang on the other boys. Try to chase me and give my number. Brigade des stupes, ouvrez immédiatement. On ouvre, on ouvre. Ok, cachez-moi, Michel. J'ai arrêté de sniffer de la colle en CM2. Je savais pas que c'était illégal. Quoi, le Père Noël? Oui, ça, je suis au courant. Attends. C'est les lutins qui apportent les cadeaux. Attends, le mec peut pas tout distribuer tout seul en une seule nuit. Slim, il faut mettre des survêtements. C'est lundi, on a sport. Tu comprends ça ou pas? T'es relou, tu vas être collé, on va pas pouvoir se faire ce qu'on avait dit samedi. Tous les retours vers le futur. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un survêtement? Un vêtement technique. Un truc où t'as tout le temps tiède. Ouais, je connais bien. J'ai ça aussi, moi, à la maison. Ça s'appelle un pyjama. C'est un survêtement. C'est ma mère qui me l'a acheté. Bien sûr. C'est quoi la marque? Ah. Doudou Dodo. Stéphane ici? Devant tes mots, en plus. Il pourra pas nier après. Non, mais je connais mon pote. Il fera jamais un truc pareil, ça. Oh my god. Oh mon dieu, faut pas que tu vois ça. Tout ça n'est qu'un cauchemar. Ah, accroché. Appelle celui-là. Oui, allô, bonjour, ici Jean-Michel Jarre de l'association J'ai toujours joué du piano debout. Je vous appelle concernant votre femme parce qu'elle pue de la gueule et du coup on lui offre 1 kilo de dentifrice. Ne me dites rien, vous avez perdu un pari? Non, j'ai gagné. Asseyez-vous, vous allez prendre cher, Slimane. Appelle-moi Luc. Assis. Une petite fille, hein, ça se voit direct. C'est Jean-Jérôme, le bébé de la voisine. Allez, dégagez. Ben, c'est pas sympa d'appeler sa fille Jean-Jérôme. Ouais, c'est super. Tu vois, en fait, je suis en train de vendre un concept, là, actuellement. Tu vois, avec ce système, je vais pouvoir garder un gamin 24 heures sur 24, tout en continuant mes études. Du coup, ça fait mec sérieux, mais en même temps, ça fait mec un peu rassurant pour les parents, tu vois. Le seul truc que tu vas faire, c'est de taper la honte et nous avec. Toutes les grandes avancées sont faites grâce à des pionniers, des visionnaires. Slim, arrête tes conneries. Rendez-vous de l'autre côté. Non mais arrête, t'es con, tu vas te faire mal. Arrête! Appelez l'infirmerie, là. Quand même, vous prenez okay, c'est bon, j'ai les 10 euros, là, donc une autre barquette de frites. C'est moi, j'ai gagné? Ça y est, c'est moi. Ouais, ouais. Toi, gagné le droit de reprendre encore barquette de frites. Bravo. Lui, joli barbe, million clients, emporté frites et kebab à volonté pendant une semaine. Ouh. Non. 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 C'est... Ah, putain, ça pique en plus, ça. Tu vas voir quoi? T'as devant toi le nouveau cobaye des laboratoires Coolport. Mais t'es con quoi? Tu l'as déjà fait, tu te rappelles pas du résultat? C'est un truc à choper l'Ebola ce truc. Non, non, mais j'ai vérifié, c'est super safe. Hein. En fait, je vais essayer un dentifrice, faut que je l'utilise pendant 10 jours, et après faut que j'arrête de me brosser les dents pendant un mois pour qu'il teste des trucs. Pour bien et pour le bien de tes proches, s'il te plaît, fais des phrases courtes. Tu crois?
Non, en fait, laisse tomber, ça change rien. Ah, je sais. Tu te rappelles quand t'avais travaillé pendant 6 mois pour devenir ventriloque? Eh ben, essaye ça, voilà. Fais de la ventriloquie, ouvre pas ta bouche. Mais qu'est-ce que je parle comme ça? Et j'ai pas un peu...